Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et le match est donc lancé. Pjanic. Peut-être une occasion pour Dzeko. Attends, il tente sa chance. Mais il paraissait bien seul aussi. Il tente de la jouer dans l'espace. Il tire. On a failli voir un but magnifique. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille. Ce sera le premier corner du match. Oh, le bon ballon. L'Algérie qui essaye de construire. Il poursuit son effort dans l'axe. La passe dans la profondeur. Oui, oui, il était hors jeu. Kolašinac. C'est joué long, c'est dangereux. Il cherche la profondeur. Dzeko. Il enroule ce ballon. Il met la tête. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Il y avait du monde dans la surface là. C'était une belle occasion. L'interception au bon moment. Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. Il met le pied, ballon récupéré. Mais il va être sanctionné. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. L'arbitre accorde ce coup franc, on est à l'extrême limite de la surface de réparation. Il est bien placé ce coup franc, il pourrait la tenter directement. L'occasion d'ouvrir le score. En dribble, c'est bien fait. Pjanic. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Attention, la frappe. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. C'est osé. Il a trébuché sur cette intervention. Dzeko ! Dans la profondeur. Énorme occasion ! Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Quelle détente ! Pas grand chose là. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il est bien placé. Il enchaîne les dribbles. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, bonne lecture, intercepté.
ballon intercepté, ça soulage la défense. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Coup de sifflet, hors jeu. Kolašinac. Pjanić. Pjanić qui a de la liberté. Dans la profondeur, bien vu. Il peut y aller. Une perle magnifique. Ah oui, superbe. Voyons ce que va donner ce corner. C'est dégagé. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il s'est aussi défendre. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Il se rattrape. Il prend sa chance. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Eh ben dis donc, c'était chaud. Le ballon dans la profondeur. Pjanić. Il relance côté droit. Peut-être une occasion pour Dzeko. Bien, la profondeur. Passe interceptée. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est joué long, attention. Et dégagement du gardien. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. L'Algérie qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Et le jeu a repris ici, d'ailleurs. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. La passe est précise. Dans la profondeur. Ah, pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Oh, l'occasion. Et le gardien est présent. Ah, ça c'est magnifique, chapeau. Pjanić, il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. La tête. Et c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ouh, quelle occasion. Je crois que le manager a demandé à ses attaquants de rester devant plutôt que de se replier. Ça sent le contre alors ? Ça sent le contre. C'est un bon ballon. La frappe ! L'intervention de Begovic, magnifique ! C'est bien de... Il peut tirer. Il y a danger. Ça joue long vers l'avant.
Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ce match est riche en occasions, mais le score est toujours verrouillé, 0-0. Et pourtant, c'est un match ô combien spectaculaire. Bien servi. Pjanic. Oh, c'est chaud. Ça peut être extrêmement dangereux. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il allonge. Donné à la perfection. Ça joue. C'est joué. Donc il frappe. Oh, c'est au fond. À mon avis, the carrots are cooked. Les carottes sont cuites. Je ne les vois pas se faire reprendre en fin de match. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Voilà un avantage qu'il faut défendre maintenant. Il reste encore pas mal de temps. Il allonge le jeu. Quel timing dans l'interception. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il peut frapper. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est reparti, ils peuvent contrer. Pjanic. Dzeko. C'est joué long. Et la bonne intervention. Ça joue long. Il est intervenu. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. La longue passe. Dzeko ! Ça fait but ! C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça. Un peu de 109 dans les deux équipes. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ah, c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué. Attention messieurs, il faut rester concentré. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. L'ouverture lumineuse. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Pjanic. C'est joué long, attention. Quelle occasion, attention. Oh, c'est sublime. Que c'est important de marquer à cet instant. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre. Ils ont complètement... Oh, la frappe. Oh, le gardien est là, la classe. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. C'est joué court à deux. Dzeko ! Attention ! C'était presque au fond ! Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il ne résiste pas au contact. Il joue en retrait. Oh, le petit ballon piqué. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Il menait au score et finalement, il s'incline. C'est un gâchis immense qu'il faudra vite analyser pour qu'il ne se reproduise surtout pas. Alors, que retenir de cette rencontre? J'ai surtout été surpris par la fragilité de l'Axtelois défense. Une zone qui est...